On tire avec les bras. Placez la jambe en même temps. Le pied gauche. Et cambrez le dos. Prêt à fermer après. Et on pousse. Comme si vous faites le box, une fois droite, une fois gauche. Tirez et partez l'autre. Alors je fais taper dessus, taper, tirer, encore une fois taper. Boum, boum. Allez, on y va, droite et gauche. En arrière, dans le même système, hein. Avancez les pieds, à la place là, avancez, vous reculez. D'accord? Je recule. Pied droit, déjà préparé, et on tire. Et on le pousse. Allez, allez-y. Ok. Essayez de tirer avec l'épaule. L'épaule. C'est comme ça là. Comme ça. On tire et suivre et fermer. Fermer. Tournez. Attention, évitez de faire comme ça. Essayez de donner le inclinaison avec les épaules. Droite et gauche. Gauche et droite. Essayez de faire en diagonale, comme si vous allez couper le bois ou avec le sabre. Couper quelque chose. Baissez l'épaule, levez les bras. Et on finit le mouvement en diagonale. Allez-y, faites ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On déplace ensemble. On déplace doucement. On déplace ensemble. Ralenti, hein, ralenti. Moment, il démarre avec les pieds droits, je suis dessous. Moment, il va, je suis dessous. La vitesse normale. Je vais continuer à partir. Donc, glisser mon corps dessous. Que l'autre glisse dessous. Je vais partir tout de suite dessous pendant que l'autre est en l'air. Ça va le bras. Depuis derrière là. Pendant que son pied est en l'air. Tu regardes le pied en l'air. Là. Et je passe mon poids juste de devant. Et moment, on laisse de poser les pieds. Juste enfiler, si on peut dire le mot. Pas dessous. Bon. On fait traverser avec le déplacement, ce qu'on a vu. Latéral, hein, latéral. J'attaque à droite. Vraiment éviter de faire ça, c'est pas la même. Éviter, éviter. Il faudrait travailler ça aussi, parce qu'on a travaillé avec Fredo. Hein. Il faut capable de faire aussi capable de faire ça. C'est la même entrée. Ah, parce que je n'attaque pas la jambe d'appui. On lève. Et pas comme ça. Donc essayez de séparer les deux choses, distinguer, puis essayez de réaliser. Donc, je refais encore une fois, je suis à gauche. Je ramène mon pied, je tourne et je avance. Attention, ne pas revenir. Toujours dans le même sens.
Je vais là-bas, je continue à poser un pied après l'autre. Si vous voulez faire droite et gauche, ça fait ça. Et quand je tourne, mes jambes sont pliées. Et pas tendues. Pliées. Et quand je plie la jambe, on peut tourner. Bon, souvent on dit qu'il faudrait couper la jambe, non? Enlever la jambe. Enlever la force dans la jambe pour que je tourne et je monte. C'est exactement la même sensation. Il faut enlever le poids complètement et laisser tomber. Et quand une fois on a compris le laisser tomber, déjà préparé à lever le partenaire. Déjà préparé à recevoir le poids sur mon épaule et basculer. 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 Oui, on fait encore. Alors je montre encore une fois. Et ceux qui ont un peu de difficulté, vous pouvez faire comme ça aussi. Seulement le pied. Boum. 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 Tournez les pieds. Utilisez la rotation de hanche comme on a fait. Utilisez les rotations de hanche pour tourner les bras. Maintenant, j'utilise la hanche. Le bras, le pied. Hein, parce que c'est tout le travail de corps. Hein, parce que je tourne. Tirer avec le bras, tirer, tirer, tirer. Ou avec ce qu'on a fait maintenant. Tirer avec le bras, tourner la tête, la hanche, la hanche, la hanche. Sortir le nombril. Hop. Je sors le nombril et tourner, 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 tout ensemble. Allez-y. Temps important de relayer l'épaule gauche à droite à gauche. Gauche et droite et gauche. Je compare toujours avec le... Je compare toujours avec le box. Mais box, c'est toujours comme ça. Bon, 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 bon. Et puis, une fois, on voit tout de suite, ça démarre à l'enchaînement aussi vite possible. Aussi vite possible. Ça part, non? Les épaules, c'est pareil. Il ne faut pas rester immobile. Et en faisant comme ça, on tire. Et puis l'épaule, il vient pas, alors ça coince là. On ne peut pas rentrer. Et les pieds, c'est pareil. Il faut absolument qu'on soit capable de tourner tout ensemble, mais décalé, comme un peu le domino. Base en haut, haut en bas. Il faut tourner petit à petit. Petit à petit. Mouvement qui se fait d'entrée dedans. Il faudrait vraiment chercher l'effet. Maintenant. Il faut absolument, celui-ci, ça part après. Sinon, on tombe en arrière. Après, tout le monde va dire, attaque pas, parce que c'est trop dangereux, il contre. Hein. Donc, c'est le moment, on part comme ça. Il faut absolument, boum, boum, ça part gauche et droite. C'est comme ça, c'est gauche et droite, tout de suite. Donc, pendant le déplacement, Uchikomi tout seul, merci. Uchikomi tout seul. Il faut penser cette épaule aussi. Il faut penser cette épaule-là. D'utiliser et aussi avoir la conscience de travailler les pieds, les hauts. Je sais que c'est pas facile avec les pieds, mais pensez à ça parce que ça aide à tourner. Seulement réfléchis pour tourner seulement bas du corps, on n'arrivera pas à le faire. Hein? Bon, pensez à d'utiliser le rotation du haut du corps pour que le pied il tourne. Une fois qu'on commence à tourner, maintenant je peux appuyer. Ok, on refait encore une fois, si c'est possible. C'est la même, hein? C'est exactement la même.
tourner les pieds, préparer à sauter plus haut. Alors, en faisant comme ça, on n'arrive pas à le faire. Parce que je ne suis pas du tout prêt à sauter. Quand on s'agit de sauter à hauteur, tout le monde fait ça. Hein. Tout le monde fait ça. Et il faudrait vous allez faire aussi la même chose. Prêt à sauter. Pas comme ça. Là, je ne peux pas sauter. Prêt à sauter. Sauter, ça veut dire démarrer. Quand un danger, si quelqu'un qui entre dedans, je plie la jambe et je vais vite. Mais si je suis comme ça, je ne suis pas, pas capable. Ah, ça non plus, je ne peux pas bouger. Au contraire, plutôt en avant. Là, on arrive. D'accord ? C'est le moment. Moment plier la jambe. De partir. Alors, vous pouvez faire aussi un petit peu de rotation de hanche inverse. Inverse, c'est-à-dire que je tourne d'abord, je tourne à gauche, je tourne la hanche d'abord à l'envers et revenir. À l'envers et revenir, comme je fais le tennis. Pomme. 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 La hanche, il va tourner l'autre sens et prendre l'élan. Prends l'élan. Alors, je suis là. Presque la même sensation, non? Je fais ça en arrière. Latéral. Je vais là-bas. C'est la même sensation, donc normalement, vous pouvez faire partout. Je vais en arrière. Je vais latéral. Je vais en avant. Même rythme, simplement il faut être capable de accélérer. Prends l'élan et de porter par ton air. Avoir la force de guider, diriger et passer dessous. C'est la même. La même ou simplement latéral ou en tournant. On voit que c'est le même rythme, la même façon de travailler avec les bras du corps et le haut du corps. Ok. Alors, ceux qui veulent, vous pouvez tourner la hanche un peu. Et en faisant ça, accélérer et tourner plus. Allez, allez-y. Venez. Maintenant, vous allez faire l'utikomi. Utikomi, on fait d'abord ce qu'on sait faire en avançant, en reculant. Puis après, latéral. Hein? Et je pousse. Mon partenaire, je suis gaucher, j'attaque à droite. Ce serait bien que vous allez droitier, vous allez attaquer à gauche. Hein? Pour avoir surprise. Ça peut être comme ça, ou déplacement, d'entrée dedans. C'est deux choses différentes. Deux façons d'entrer. Déplacement, sur place, ou feinte. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est latéral. Donc, c'est essayer de faire la même chose que avancer, reculer, de la même façon. Donc, pour l'instant, on va essayer de faire utikomi. Utikomi. Vous faites utikomi 5. Super. Évitez de faire celui-là. Parce que ça change le rythme maintenant. 3. Avant-arrière, statique, avant-arrière, statique, avant-arrière. On y va. Prenez la place. Je sais que quand j'ai commencé le pas comme ça, ça m'a beaucoup travaillé dans ma tête. Ça, 14 ans. 14, 15 ans. Ça, j'ai eu d'abord Morote Sinege avec ça. Morote Sinege. Et après, on a travaillé Ultimata, mais beaucoup travaillé pour qu'on arrive déjà tout seul. Parce que déjà rien que ça, c'est pas facile de tourner
comme ça. Et lever le partenaire. Et c'est pas évident. C'est parce qu'on a travaillé beaucoup d'outils commis. Ce que vous avez vu hier, comme Go qui faisait, rapide, mais soutenu, milliers de fois, répété. Et après, ça vient que le pied, il est fixe par rapport à le partenaire. Là, pied gauche, pied d'appui, il est fixe par rapport au partenaire. Alors, si partenaire, il est par là devant moi, ben, je peux croiser la jambe par derrière. Mais partenaire, il passe par là, je ne peux pas passer par derrière. Je fais là, partenaire, il déplace, alors je rentre comme ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de changer ou de perdre de temps. Donc, si partenaire, il déplace par là, ça, parce que je ne croise pas derrière. Les partenaires, ils déplacent par là, ben, je passe devant. Si on peut faire ça, on gagne le temps là. On n'a pas besoin de précipiter tout le temps pour chercher à viser. On sait qu'il vient là, croise derrière, et on sait qu'il vient, on passe par là. D'accord. Ceux qui sont gauchers, droitiers, kumikata opposé, il faut apprendre ça parce que c'est tellement utile. Sinon, on doit toujours bagarre, ramène le partenaire à côté et on doit attaquer. Mais ça aussi, c'est bien, mais c'est mieux de faire de deux côtés. Deux côtés. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est basé ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mae et Ushiro. Ah, Mae et Ushiro. Et si je vais à droite, c'est quoi ? C'est la même chose que ça. D'accord. Je croise comme ça et attaque. Je croise comme ça, je attaque. Et l'autre, je passe comme ça. Comme ça. Et ramène. C'est pas la même chose que ça. Ça. Ça, c'est Oikomi. Ah, c'est Hikidashi là. C'est pas la même de croisement, la jambe. Mais posture, la position d'attaque, c'est tout pareil. Pareil. Levez la jambe. Levez la jambe. Et il faut l'habituer. Hein? Simplement, je ne sais pas combien de personnes ont déjà fait ce déplacement. Certainement vous avez fait. Mais vous n'avez pas mis enregistrement et de répéter. Et ça m'a fallu peut-être, je ne sais pas combien, 5 ans pour que j'arrive à utiliser dans les combats. Pourtant, je faisais tous les jours l'entraînement. Mais je ne faisais pas que ça, autre chose. Non, préoccupe. Mais quand vous avez le temps, vous devez réfléchir, vous devez faire tout seul. Ça ne vient pas tout seul là, ça ne vient pas tout seul ça. Il faut travailler beaucoup pour que ça vienne. Tout le temps. Si vous voulez réussir. Réussir à le faire. Puis après, réussir à marquer les points, c'est autre chose encore. Hein? C'est encore autre chose. Donc il faut absolument le répéter. Si vous aimez bien le faire. Ça en fait tout de suite tilt. Pourquoi? Vous pensez? Pourquoi ça en fait tilt? Ah, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Plus fin. Oui, déjà rien que ça, ça change complètement dans le judo. La possibilité, ça change. Donc, je suis gaucher, je ramène toujours le partenaire par là. Depuis qu'on connaît, j'ai pas besoin. Je pouvais faire ça et l'autre. Donc pour le partenaire, il était vraiment frustrant. Et je gagne le temps aussi, rapide, direct. Donc il aura difficulté à faire contre-prise, c'est là. Si je fais ça, et ça, et ça, et ultima tascachi. Et celui-là, c'est difficile. Parce que changement de temps, on n'aime pas. Le judoka, ils aiment bien d'avoir son rythme. Hein? Et puis, ils aimeraient avoir le calme. Au bout d'un moment, ouf, c'est bien. Pendant 5 minutes, une fois, genre. On n'aime pas être secoué. Donc c'est en faisant un secoué à droite et à gauche, je peux faire là, et l'autre il n'a pas tendre
de l'installer. Donc c'est pratique. Être humain, on aime bien le pratique, non? C'est pour ça qu'on invente la voiture, l'ascenseur. Mais pour fabriquer, il faut prendre le temps, il faut le faire. Une fois c'est fait, après, c'est tranquille, bouton. Bouton, on atteint. Mais c'est impoussable, il faudrait quand même travailler avant. Alors, ce travail de latéral, ce qu'on fait, ça, c'est exactement la même chose que ça, hein, en arrière. Donc vous devez travailler beaucoup en arrière. En arrière pour que ça vienne. Il faut absolument vous travailler tout seul à la maison ou en faisant la footing, il faut le faire. Il faut vous travailler tout seul pour chercher à fonctionner soi-même. Donc il faudrait d'abord comment s'appelle ça, coordination de soi-même. Donc c'est-à-dire le contrôle de soi ou diriger, il faut coordonner, il faut d'abord occuper de mon corps, puis après occuper de l'autre. Mais pendant que j'occupe, puis après l'autre il dit hey, tu regardes toi-même d'abord. Il faut absolument, comment ça s'appelle ça, coordination parfaite pour que vous arrivez à battre l'autre. Donc si on doit faire coordination parfaite, c'est qu'on gagne soi-même. Hein? Quand on commence le judo avec les enfants, qu'est-ce que je dis? Premier jour, on va apprendre à attacher la ceinture. Correctement. Tout seul, pas avec maman. Mais tout seul. Et je dis toujours, votre ceinture, c'est le premier adversaire. Il faut le maîtriser. Et quand tu arrives, parce que ceinture, il ne fait rien. Mais vous verrez, plus tard, quand on fait avec quelqu'un d'autre, lui, il ne va pas rester tranquille comme ceinture. Il faudrait absolument vous devez maîtriser. Et avant tout, vraiment, c'est là le premier. Mais ainsi de suite, ça vient de maîtrise. Donc, première chose, il faudrait maîtriser de autour de soi, d'abord, soi-même. Les jambes, les bras, les épaules, la tête. Okay. Et c'est pour ça que le mouvement simple, ça aide plus tard. Il faut faire tout le temps. Hein?